Avant tout, c'est un grand merci. Un grand merci à vous d'être là. Et de tout le monde. Tout le monde, parce que c'est pas rien qu'on fait là. On vient ici pour affirmer notre positionnement pour la paix, pour la non-violence. Et ça peut paraître un peu dérisoire dans le monde actuel où on a l'impression qu'on a prise sur rien. On est victime de tout, on est impuissant. Et on voit qu'au contraire, c'est très très important qu'on puisse affirmer ce que nous on veut. Donc, un grand merci d'être là, et ça nous permet aussi à chacun d'entre nous de se dire « Ah ben, je suis pas tout seul, en fait. » Je suis... mon nom, c'est François, mon prénom. Moi, je suis là avant tout comme moi, en tant qu'être humain, pour affirmer mon dégoût pour toutes les formes de violence et toutes les guerres, mon aspiration à la paix. Pour moi, j'ai besoin de cette paix. Pour mes proches, pour l'humanité et pour le futur. Je suis aussi là en tant que représentant d'une petite association de quartier, Musique à nous, une petite association du quartier Lanoux à Montreuil, qui regroupe des voisins qui s'engagent pour chanter des valeurs de toutes les cultures à partir de chansons que nous apprennent nos voisins dans leur propre langue maternelle. Et puis je suis là aussi en tant que membre d'une association internationale qui s'appelle Monde sans guerre et sans violence. C'est cette association qui organise depuis 2010 les marches mondiales pour la paix et la non-violence. Voici quelques points fondamentaux de cette marche. Dénoncer la situation plus dangereuse que jamais dans le monde d'une guerre nucléaire mondiale et l'augmentation scandaleuse des dépenses d'armement, alors que les populations de plus en plus grandes sont marginalisées et souffrent du manque de droits élémentaires, de nourriture et d'eau. Continuer à faire prendre conscience que c'est par la non-violence que nous pourrons atteindre la paix et ouvrir l'avenir à l'ensemble de l'humanité. De la même manière que la conscience écologique a pris racine en quelques années, est venu le temps d'une conscience non-violente qui pourra générer, chez l'être humain, un refus viscéral de la violence et de la guerre. Enfin, la marche mondiale souhaite souligner toutes les actions positives que les individus, les groupes et les peuples entreprennent déjà dans le monde entier. Et notamment donner la parole aux nouvelles générations qui veulent légitimement prendre le relais pour ouvrir leur futur. J'ai presque fini. Les thèmes centraux. L'interdiction des armes nucléaires. Le désarmement proportionnel. L'objection de conscience de pouvoir dire pas de violence en mon nom. Pas en mon nom. L'urgente reconstruction des Nations Unies afin que l'ONU s'occupe effectivement de tous les citoyens du monde. Assurer les conditions d'une planète pleinement durable. Un système socio-économique qui garantisse le bien-être et les ressources pour tous. La non-discrimination, quelle qu'elle soit. La non-violence comme culture et la non-violence active comme méthodologie. Parce que la non-violence, c'est pas ne rien faire. C'est être actif, mais d'une manière positive. Plus près de nous, à Toulouse, en ce moment même, ils font aussi un petit rassemblement comme ça. Et à Marseille, il y a un concert. Enfin, il y a toute une journée, la place de la Plaine à Marseille est occupée, dédiée à des stands pour la marche mondiale. Toute la journée. Et notamment, il va finir par un concert avec HK, qui dédie notamment une de ses chansons, Citoyens du Monde, qu'il a dédié à la marche mondiale. Adieu.
From the dark.